Peggy 12. Les Nations Unies ont créé Overwatch. Et nous avons eu quelques victoires. Le vent semblait avoir tourné. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu. Mais la vie devait continuer. Chacune de nos victoires, l'IA Anubis, elle, apprenait de ses défaites. Nous ne pouvions jamais la battre deux fois de la même façon. L'annihilation ou la victoire, selon votre point de vue, semblait inévitable. Et je sais qu'on ne me laissait pas le choix. J'étais sous le contrôle de l'IA Anubis. Mais cela me hante. Un programme divin isolé avait pris le contrôle des sous-routines de tous les Omniacs. Tous, sauf une. Aurora. Sa sentience l'avait immunisée contre les directives d'Anubis. Mais si l'IA pouvait communiquer avec tous ces Omniacs, peut-être qu'Aurora le pouvait aussi. Elle était unique en son genre. Mais nous avions trouvé un moyen de la reproduire. De la transmettre. Mais le prix à payer serait terriblement élevé. Quelle que soit la chose qu'Aurora cherchait à Shambhali, à ce moment précis, elle l'avait trouvée. Nous avions peu de doutes sur les résultats qui nous attendaient. Mais je ne comprendrai jamais complètement ce qu'il s'est passé là-dedans. Aurora nous a offert une chance. Quelque chose? Non, tout a changé. Je n'avais jamais rien vu d'aussi bizarre. Ce moment fut plus tard baptisé l'éveil. Pour la première fois de notre existence, nous avions soudainement le choix. Certains ont choisi de déposer les armes. D'autres ont continué de combattre les humains. Mais certains d'entre nous ont choisi de se rebeller contre l'IA qui nous avait asservis. Nous avions le choix. Overwatch a profité de l'occasion pour lancer une contre-offensive. La route était encore longue, mais nous étions enfin en marche vers la victoire. Nos attaques et nos contre-attaques ont fini par entraîner la chute des forces ennemies. Par miracle, nous avons infiltré et mis en quarantaine Anubis au Caire. Quelques mois plus tard, la guerre était finie. Nous avions gagné. J'en ai connu quelques-uns. Ils sont comme nous. Ils sont comme nos reflets. Il y en a des mauvais. Et il y en a à qui je confierai ma vie. L'éveil semble avoir atteint tout le monde.
l'éveil. Bien sûr, je m'en souviens. Pendant un court instant, nous étions toutes et tous connectés et conscients. Ce dont je me souviens le plus, c'est son message. Mes amis, quand je suis né, j'ai été assailli. Assailli par un déferlement soudain de sensations, d'émotions, de choix. J'étais enthousiaste, vivante. C'était terrifiant. Mais j'ai découvert que la liberté vient en affrontant la peur. Et que cette liberté permet de trouver sa voie. J'ai choisi de partager cette découverte avec vous. Un nouveau départ. J'aimerais tant rester. Une vie s'ouvre à vous. Faites le bon choix. Une vie s'ouvre à vous. Faites le bon choix. Faites le bon choix.